Oui, et donc c'est Yao, tu dis quoi? C'est Dubaï qui est bon en l'air là. Hey! C'est le Burj Al Arab qui est bon en l'air. Pourquoi vous êtes maudite comme ça là même? Hey, hey, mais Edoxy, on a fait quoi lui là? Jean, quand vous partez dans votre Dubaï là. Jean, t'as pour aller là-bas pour qu'on ait chier dans vos bouches. Hey! Tout est gâté. Mais Edoxy. Et puis quand vous arrivez encore devant ici là, c'est là vous allez vous jouer les zones d'affaires. Nous les enfants maintenant là, vous allez venir maintenant nous embrasser. Donc, attends, votre blessé là, c'est nous nos bouches à prendre pour laver dedans quoi. Mais de malade comment? Allah. Ne vous taisez pas pour me laisser seul. DS Collection, faut lui répondre bien. Je comprends pas. Il dit que quand on va à Dubaï, là, on mange caca avant de revenir. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? Aïe, est-ce que c'est moi? C'est lui que... Mais ça a quoi à voir avec moi? Mais à chaque fois, toi aussi, tu vas à Dubaï, tu reviens, non? Ou bien? Quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Quand je pars à Dubaï... Ah oui, effectivement, toi, tu es une femme battante. Vous-même qui vendez le rêve, vous dites que vous êtes des femmes battantes. Vous dites qu'on est des femmes battantes, mais la bataille ne se voit pas sur vous. Tout est gâté. Je ne vois aucune bataille. Hé, Lolo Beauté, arrête pour toi. Et donc, si Yao, quand tu es une femme battante, tu dors dans une chambre d'hôtel de... 1 million. Et quand tu ne dors pas d'abord dans une chambre d'hôtel qui coûte 1 million, on appelle ça... Brillanté. Alors, Lolo, tu as compris? Tu n'as pas encore dormi dans une chambre d'hôtel qui coûte 1 500 000. Donc là, on ne peut pas t'appeler femme battante. Tu grignotes pour le moment. Ça, c'est quel pays? Point d'interrogation. Donc, il faut te calmer et regarder notre influenceuse, notre star parler. Vous avez vu maintenant. Moi-même, actuellement, là, je vous dis, hein... Quand les stars là sont en train de parler maintenant, je regarde dans leur gueule. Quand ils sont en train de parler, je regarde sa bouche jusqu'à ça. La bouche des deux stars là sont devenues bizarres dans ma bouche. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, faut bien t'expliquer encore. Quand les stars maintenant de l'Afrique là, quand elles parlent maintenant, moi quand j'ai vraiment regardé les vidéos là, je trouve les blés, les bouches là bizarres. Mais pourquoi? Quand je regarde maintenant vos bouches là, il y a quelque chose qui fait mien. Vous n'avez jamais regardé le bout de mes cils là, ça fait mien. Mais à cause de quoi ça fait mien comme ça? À cause de Porto Porca là. Quoi? On dit quoi? Mais Porto Nouveau, Porto quoi même? Bon, Porgo Produit. Bon, il y a deux pays dedans. Moi, ma mère est ma mère. On a fait ça porte à porte de Dubaï. Ça a quoi à voir avec nous? Vous venez manger caviar humé. On peut manger comme cela, Boda de son ami comme cela. Là, moi, je vais être damé si toi. Hein. Je vais aller faire relation sérieuse avec Emma Louès. Avec des relations, si on ne fait pas relation, on meurt. Si on ne se marie pas, on meurt. Non, Emma Louès, c'est pas comme ça. On va se marier là, comme ça, quand tu vas à Dubaï. Les gens vont pas penser que non, tu es allé pour faire histoire de caca. Les gens vont pas penser que tu es allé manger caca pour de l'argent, non. Daniel. On a qu'à déposer l'argent, plus faut les. Non, mais c'est pas à cause de l'argent, tu vas manger caca quand même. C'est dégueulasse là, toi aussi. Mais le goût de Dieu là, c'est pas même chose. C'est doux. C'est succulent. C'est ça qui est la vérité. T'es bête. Ta paume qui peut me frapper au goût, va bien. Mais la joie, elle a joie. Bonne soirée. Peut-être que cette vidéo de quelques minutes là t'a un peu fait rigoler, je ne sais pas. Voilà. Mais la seule chose qu'on doit vraiment savoir dans cette histoire de Dubaï porte à porte là, est que c'est pas forcément toutes les femmes stars, c'est pas forcément toutes les influenceuses qui couchent avec des hommes pour de l'argent. Je vais dire quoi? Ces influenceuses, ces stars, ces personnalités publiques qui ont vraiment bataillé, qui ont vraiment travaillé pour être célèbres, qui ont mérité leur célébrité, n'ont pas forcément besoin de se coucher en bas d'un garçon avant qu'on leur donne de l'argent. Parce qu'avant qu'elles deviennent des influenceuses, elles ont eu à vraiment travailler d'abord, elles ont vraiment bossé. Il y a eu un processus de transformation.
dont ces influenceurs, ces femmes, ces stars qui sont vraiment fabriquées de zéro jusqu'à devenir héros là, elles ne peuvent pas vraiment se laisser aller facilement comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Ces filles stars qui se vendent pour de l'argent sont celles qui n'ont pas eu de fondation, celles qui n'ont vraiment pas eu de bases bien solides. Je vais dire comme ça, ces filles qui sont devenues stars, ces filles qui sont devenues influenceuses, et pourtant à la base elles ne savent rien faire, elles n'ont pas comme ça d'une image de distinction. Elles se sont seulement servies de leur beauté pour devenir célèbres. Et quand c'est comme ça, lorsque tu n'as pas une fondation, lorsque tu n'as pas un point aussi que tu vas pouvoir te distinguer, lorsque tu n'as pas un endroit où tu vas aussi pouvoir t'exprimer, les gens vont toujours te prendre en bas de ta tête quoi. Je vous dis quelque chose, même un garçon influenceur qui a une bonne réputation, qui a une bonne base, peut être invité à Dubaï, aller séjourner là-bas, revenir gratuitement sans rien payer. Et pourquoi? Parce que ces influenceurs-là, partout où ils passent là, c'est leur image qu'ils vendent. Donc, lorsque tu l'invites dans n'importe quel coin, partout où il va passer, c'est son image qu'il vend là-bas, quoi. Donc, même si tu l'invites, qu'il ne te donne rien là, mais quand même, c'est son image qui t'a acheté comme ça. Parce qu'un influenceur, son image a de la valeur. Partout où il passe là, son image, c'est une pub. Donc, les hommes d'affaires qui vont l'inviter gratuitement, tous ces hommes d'affaires là, c'est une pub pour eux. Bon, je ne vais pas trop rendre la vidéo là longue. Pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom, c'est Arrobas. Voilà, bon, moi, mon combat sur les réseaux sociaux, c'est qu'on prenne les réseaux sociaux de façon positive. Prenons les réseaux sociaux dans le bon sens. Voilà. Les blancs se font de l'argent dedans, pourquoi pas nous? On dit l'Afrique est pauvre, on est limité sur certaines bases. Voilà, mais quand même, à faire des réseaux sociaux, même si tu es dans ton village, tu peux utiliser pour faire bonne chose avec ça. Et beaucoup de jeunes deviennent milliardaires à travers les réseaux sociaux. On voit ça. Voilà. Et si vous êtes d'accord avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo. Pourquoi ne pas la partager? Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Voilà, ici, là, c'est comme ça. Merci.